Un avion zéro gravité est un avion de ligne classique qui a été aménagé pour accueillir à son bord des expériences scientifiques et des apprentis astronautes. Grâce à une manœuvre du pilote, les passagers vont se retrouver en apesanteur pendant quelques secondes. Une conjonction de forces permet à un avion de voler. Le vol parabolique va entraîner l'annulation de ses forces. Toutes, sauf le poids. À 6500 mètres d'altitude, le pilote va tirer sur le manche pour incliner l'avion jusqu'à 45 degrés. C'est la ressource d'entrée. Cette manœuvre va annuler la portance. Les passagers subissent alors une accélération de 1,8 g. À ce moment, ils pèsent presque deux fois leur poids terrestre. Ensuite, le copilote diminue fortement la poussée des moteurs. La traînée et la poussée vont alors s'annuler. L'avion, sur sa lancée, va continuer à monter quelques instants. Mais il n'est plus soumis qu'à la gravitation terrestre. L'appareil et son équipage tombent à la même vitesse. C'est l'apesanteur. Après 22 secondes de chute libre, le pilote va redresser l'avion, dont les occupants vont être à nouveau soumis à une gravité de 1,8 g. C'est la ressource de sortie.